Non, abuse pas non plus. Merde. T'es déçu de partager ta chambre. Je suis déçu là. I feel good. Yeah. You feel good? Yeah, I feel good. Yeah. Final three. Ready? Finally, waiting around for this game. It's finally here. At 4:15. Hopefully my bot, yeah. We'll be ready. Right, Andy? You ready? Yeah. OK. Les groupes, vous êtes deux, partez short corner, s'il vous plaît. OK, short corner, tee, short corner, hello. Chris, start elbow, please. OK. Première joueuse qui en score 8, d'accord, et puis après on tournera. First player who score 8 after you turn. Let's go. L'important, c'est tous les petits détails qu'on a mis sur les deux premiers matchs et ce qu'on a pu exprimer. C'est pas parce que ça fait deux matchs qu'on les joue qu'il faut les oublier, parce que c'est l'accumulation des petits détails qui fait que derrière, on va pouvoir prendre ce match. Je ne sais pas comment elles seront, elles, d'accord? Ça les regarde à elles, ok? Nous, il faut qu'on se concentre sur comment on joue, sur ce qu'on fait, comment on défend, quel choix on a pris, comment est-ce qu'on joue au basket. C'est ça qui est le plus important, d'accord? S'il y a un seul mot que j'aimerais qu'on représente quand on va aller sur le terrain, uniquement un seul mot, c'est la détermination. D'accord ? J'aimerais qu'on soit l'équipe la plus déterminée sur le terrain cet après-midi. OK ? Donc après, vous y mettez tout ce que vous voulez comme qualité, comme valeur, comme chose bien, etc. à l'intérieur. Mais la détermination, c'est vraiment ce que j'attends de vous. OK ? On est arrivé à rien, vous le savez les filles. On n'a rien encore, quoi. On n'a rien, on est en bonne position, d'accord? La pression est en face. Nous, on a juste à essayer de garder le même niveau de jeu. Le même niveau de jeu. Elles, on sait qu'elles vont avoir des ups et on sait qu'elles vont avoir des downs. OK? Et nous, il faut que notre niveau médian, il faut qu'on arrive à le garder le plus longtemps possible. Ça part de la défense, ça part du rebond, ça part de la course et de l'investissement qu'on va y mettre. D'accord? Si vous avez ces critères-là, les filles, vous autorisez à faire un bon match. Je ne sais pas si on gagnera, mais on fera un bon match, OK? Et c'est ça qui est le principal, le plus important, c'est ça, d'accord? Être capable de garder ce niveau médian et faire un bon match, exactement comme vous les avez fait sur les deux premiers, OK? Un autre petit truc important, c'est la confiance en soi qu'on doit avoir en nous. On n'a absolument pas le temps de... J'ai pas le temps de vous énumérer tout. Ma fille, qui n'a pas une très grande confiance en elle, je bosse avec elle sur une boîte d'allumettes. Petite boîte d'allumettes où à chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien, essayez de mettre quelque chose dedans pour qu'elle puisse le ressortir. Vous, votre boîte d'allumettes, les filles, on est à la fin de la saison, elle est énorme, il s'est passé plein de choses. Là, effectivement, on est en confiance parce qu'on est à 2-0. Et il faut s'en servir, cette confiance-là. Il faut arriver déterminé sur le terrain, mais il faut être fier de tout ce qu'on a acquis tout au long de la saison et arriver avec le torse bombé et montrer qu'on a confiance en nous parce qu'on a fait des vraiment très belles choses jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez, un des piliers, l'endurance mentale. L'endurance mentale. Il faut continuer. On a des bons tirs. On continue à prendre les tirs. On continue à être présent au rebond. OK ?
Hey, franchement, on est égalité, les filles. Hein. On a juste à le prendre, ce putain de match. Hein. Le début du troisième quart-temps, il va être bon. Ils n'ont pas eu leur temps faible encore. Donc, à nous derrière de rester, d'avoir continué à avoir le niveau médian, OK? Let's go, les gars. Allez, allez, allez.
bruit qu'on va faire pendant les prochains jours. Mais vous venez vous joindre avec nous pour célébrer la victoire. Quatre poumons, mais que quatre poumons. T'as oublié. Non, mais non.